Coucou tout le monde, moi c'est Louélie du blog Octopus Garden World. Bienvenue sur ma petite chaîne YouTube pour ma toute première vidéo. Donc, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai pu trouver chez Primark à Paris. Je suis allée ce week-end, du coup j'en ai profité. Voilà, voilà. Donc pour commencer, j'ai trouvé un vaporisateur de sac. Donc on met le parfum à l'intérieur et on peut le mettre dans le sac. Du coup, je sentirai bon H24. Plus besoin de retouches. Juste à la maison, du coup, c'est triste. Wally Wallou, 2 euros ça. Puis j'ai trouvé des collants. Enfin, c'est plutôt des leggings. Donc super chaud pour mettre. Moi, je porte ça sous mes pantalons l'hiver parce que je suis très frileuse. Donc 4 euros. Plutôt contente. Puis j'ai trouvé des chaussettes. En fait, il y avait 5 paires. Il y en a deux qui ont déjà disparu parce qu'il y avait des petits renards dessus, et comme j'adore les renards, oui, entre autres, et moi je les ai déjà portés, je suis coupable. Donc ça coûtait 3,50€ pour les 5 paires, c'est pas très cher. Après, j'ai trouvé ces jolies petites pinces pour les cheveux, donc une en Liberty, une en jean avec les petits pois là, et la Bordeaux, que je trouve très jolie. J'adore vraiment tout ce qu'il y a à mettre dans les cheveux. Je trouve que ça vraiment, ça change le visage, ça permet de l'habiller, c'est super. Il y a aussi ce petit headband là, à fleurs, que j'ai payé 1 euro. Que je trouve très joli. J'en avais déjà un bordeaux et un rose, mais du coup, une couleur de plus, c'est très bien. Au niveau des vêtements, j'ai pas trouvé grand chose, je dois vous l'avouer. J'ai tourné en rond pour trouver des trucs, mais ça ne va pas être le jour pour les vêtements. J'ai trouvé ce petit top noir basique. Donc, je sais pas, il y a des petits ouais, voilà, des petits motifs là. Et ce que j'aime beaucoup dans ce top, c'est le dos. Donc, voilà, c'est un peu embonné. Un petit peu échancré dans le dos, j'aime beaucoup. Ça coûtait 10 euros. Ensuite, j'ai trouvé ceci, un pantalon de sport qui est resserré en bas, rose chiné. Bon, pas dire que je suis vraiment vraiment fan du rose à porter, mais c'est pour le sport. Et mes chaussures de sport sont noires, rose et orange, donc ça suivra nickel. Allez, en beauté maintenant, j'ai trouvé une petite éponge. Comment ils appellent ça? Un disque démaquillant. Donc j'en avais déjà un que j'avais il y a longtemps déjà, donc je vais pouvoir le remplacer. Ça, ça a coûté 1 euro. Donc pas très cher. Après, j'ai trouvé des petites éponges exfoliantes. Donc super chouette. Pour laver la peau, il n'y a pas mieux. 1 euro pour les deux éponges. J'ai trouvé un petit pinceau à lèvres qui est rétractable. Ça coûte 2 euros. Ce petit pinceau donc pour le maquillage là, 1,50€. Donc il y en a un de chaque côté. Donc, je suis très contente. Parce que vraiment, j'adore le maquillage. J'ai trouvé ce macaron adorable. On dirait vraiment qu'il est vrai quoi. Donc ce qui est chouette, c'est qu'à l'intérieur, donc il y a un gloss. Je trouve ça super mignon. Et j'ai trouvé cette petite boîte adorable. Donc il y a 4 vernis comme vous voyez, un rose, un violet, un rouge et un pailleté argenté. Donc j'en avais déjà acheté au Primark de Dublin. Donc je sais que c'est de la bonne qualité, il y a vraiment une bonne couvrance. Et il tient relativement bien pour un vernis. Donc j'en ai profité, j'en ai pris 2. Elle est folle cette fille, elle en a pris 2. Pour les cheveux, j'avais oublié, j'ai trouvé des petites pinces. Bon, on a toujours besoin de ça, non? Moi oui. J'en ai beaucoup beaucoup, j'ai les sèmes partout. Au grand désespoir de mon petit ami, n'est-ce pas, qui je pense doit pleurer régulièrement en trouvant partout dans la maison.
J'ai trouvé ça. En fait, ça, c'est donc des petites pinces qu'on met, hop, comme ça, au niveau du soutien-gorge. Donc, quand on porte des débardeurs l'été, c'est vraiment chouette. Ça permet de cacher vraiment les bretelles. Ça scintille le mille-feux. 2,50 € les trois. Et oui, j'ai trouvé ce joli pull. Des petits renards, en plus, c'est peluche. C'est adorable. Donc, il y en a plusieurs. Voilà, moi j'adore. Je sais que tout le monde ne sera pas fan de ça. Mais moi, j'adore, j'adore. Et donc, il y a celui-ci et il y a ça. Et en fait, je me suis dit, hey, pourquoi pas faire un concours? Oui, j'ai pas pris deux fois les mêmes vernis pour moi, je vous l'avoue. Donc, je vais mettre en route un concours, tout sera expliqué en barre d'infos. Et j'espère que vous pourrez être très heureux d'avoir ces vernis pour vous. Le petit macaron adorable, qui, je l'espère, ne vous quittera pas une fois que le gagnant aura été, ou la gagnante plutôt, aura été proclamée, n'est-ce pas? Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et j'espère vous revoir très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut, salut!